Pourquoi il s'est éloigné de toi brusquement? Beaucoup de questions sur plus de nouvelles, plus de réponses, plus rien. Ben, on va aller chercher le pourquoi du comment. De toute façon, à un moment ou à un autre, on a toujours cette réponse. Pourquoi il a pris la poudre d'escampette comme ça? Pourquoi elle s'est éloignée de toi? Il a eu peur de l'abondance, de l'amour, de l'attention que tu lui donnais. Il a profondément, éternellement, de l'amour pour toi. Il a cette ambivalence entre son âme et ce qui s'est passé. Il s'est aussi menti à lui-même. Il y a une personne. Une personne plutôt, je ressens plus une énergie féminine, une personne qui s'est réémissée un petit peu dans sa vie, qui tente des compromis. Il connaît cette personne. On pourrait apparenter ça à une ex, quelqu'un qui est réapparu comme ça dans sa vie. Avec cette personne, il la connaît par cœur. Il connaît la relation, il sait ce qu'ils ont vécu, il sait que c'est compliqué. Toi, tu es l'inconnu, tu es l'amour pur, tu es... C'est toi que j'aime. Donc, il est partagé entre je connais ça, ce qui s'est passé avec mon ex, je la connais par cœur, je sais que c'est pas véritablement de l'amour, voire il n'y en a même plus, et à toi, de l'autre côté. Il va revenir dans le sens je vais revenir à genoux, je vais te demander pardon, pardonne-moi, j'ai fait n'importe quoi, je me suis égarée, je n'aurais pas dû. Alors oui, effectivement, il y a de l'amour pour toi, ça c'est évident. Tu es l'inconnu avec cet ex-partenaire, c'est quelque chose de connu, il n'y a plus de sentiments pour elle. C'est vraiment quelque chose où il n'a plus envie d'avancer avec cette personne. Mais cette interruption dans ta vie a eu lieu parce que cette personne est revenue dans sa vie. Il n'a pas su quoi faire au moment où elle est réapparue. Clairement, il va revenir, je sens bien qu'il va revenir en te suppliant, en te demandant pardon, je n'aurais pas dû, je suis désolée. Il a encore besoin d'apprendre des choses. Certaines personnes ont besoin de plus de temps que d'autres. Par contre, effectivement, il y a un lien qui est fort entre vous. Tu n'es pas une option. Attention à ne pas accepter n'importe quoi toi-même aussi par amour. Tu ne peux pas le laisser souffler encore et toujours le chaud et le froid. Il va falloir absolument que tu te positionnes. Et quelque part, on te dit que tu as eu cette intuition de cette adversaire qui est réapparu dans sa vie parce que tu le connais quand même à minima et sa disparition si soudaine a forcément révélé quelque chose qui est arrivé. Il va revenir, effectivement, il va te supplier, il va te demander pardon, je suis désolée, je n'aurais pas dû, j'aurais dû te parler, j'aurais dû te l'expliquer. Ouais, clairement, il va y avoir ça, mais il va falloir aussi que tu fasses attention parce que tu n'es pas une option. À partir du moment où tu ne te considères plus comme une option, tu prends ta place.